Dans l'état de la mer Rouge, dans le nord-est du Soudan, le calme semble être revenu, c'est en tout cas ce qu'affirment quelques personnes interrogées dans les rues de la capitale Port-Soudan. À la veille de la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr, certains ont bravé la peur pour faire des emplettes et se réjouissent de l'accalmie. Nous sommes en sûreté dans la ville de Port-Soudan et l'armée soudanaise a repris le contrôle de toutes les forces de soutien rapide. La sécurité est revenue dans l'état de la mer Rouge et le peuple soudanais est en sécurité. Nous demandons à Dieu que Khartoum soit en sécurité et retrouve sa stabilité dans un avenir proche. Nous espérons que l'armée et les forces de soutien rapide parviendront à un accord afin que le Soudan devienne stable et que le bien règne dans tout le pays, si Dieu le veut. Les habitants de Khartoum, eux, continuent de fuir les combats au péril de leur vie. Explosions et tirs continuent de déchirer la capitale soudanaise malgré les appels au calme.